Deuxième chapitre de la Bhagavad Gita. Aperçu de la Bhagavad Gita. Qui restreint ses sens et s'absorbe en moi prouve certes une intelligence sûre. Le Seigneur Krishna poursuivit. En contemplant les objets des sens, l'homme s'attache, d'où naît la convoitise, et de la convoitise, la colère. La colère appelle l'illusion, et l'illusion entraîne l'égarement de la mémoire. Quand la mémoire s'égare, l'intelligence s'opère, et l'homme choie à nouveau dans l'océan de l'existence matérielle. Qui maîtrise ses sens en observant les principes régulateurs de la liberté, reçoit du Seigneur sa pleine miséricorde, et se voit ainsi libéré de tout attachement comme de toute aversion. Les trois formes de souffrance matérielle n'existent plus pour celui que le Seigneur a ainsi touché de sa miséricorde immotivée. Devenu serein, son intelligence ne tarde pas à s'affermir. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.